Voilà pourquoi on l'appelle la Grande Bleue. Au fond, Saint-Raphaël que vous nous quittez. Et nous longeons la côte sous Génois seul. Voilà Saint-Père, mini creek où nous sommes à l'abri du vent d'est, nord-est. Un nouveau pavillon suisse, l'autre était cuit. Il est un peu grand. L'année prochaine, il faudra qu'on en prenne les plus petits avec. Et derrière la pointe, là-bas au fond, Sainte-Maxime, Saint-Tropez, etc. Saint-Tropez. Il y a déjà quelques méga yachts qui sont amarrés.
s'est réveillé ce matin. Filet mignon aux champignons, nouillettes et petits légumes. Ah, une magnifique soirée dans le golfe de Saint-Tropez. Aujourd'hui, en route pour mettre les pieds à terre à Saint-Tropez avec nos petites Framex, ma petite femme chérie. Voilà, et devant nous Saint-Tropez, on va en profiter pour vider les poubelles parce qu'on ne sait plus où les mettre et puis ça pue. Des sauvages, mais voilà. Ici, voilà, une autre. Voilà, dans le coffre latéral, on peut supposer que tous les petits joujoux de ces braves gens. Celui-là est assez sympa. Du bateau pirate. C'est pas très bien la longueur, mais... etc. Voilà, pied à terre, c'est trop. Ça balance plus, ça fait bizarre. Et puis, ici en bas, parking à scooter, mais aussi parking annexe pour les temps filantes. Donc, voilà, cadenassé et tout. Voilà, ben, on voulait venir
Saint-Marie ici, mais en fin de compte, non. On avait des amarres trop courtes, je crois. Donc, tant pis, quoi. On a une petite nuit difficile à l'ancre avec du vent beaucoup plus fort que prévu. Départ ce matin du golfe de Saint-Tropez. Un petit Force 3. Un slalom anti-méga yacht.